In eastern Canada lies the region Quebecers call the North Shore. The Roman River runs for 500 kilometers and drains into the Gulf of St. Lawrence. Hydro-Québec, a major supplier of electricity in North America, plans to construct a four-dam hydroelectric complex on the Romaine River by 2020. Just d'illustrer les impacts connus et documentés par Hydro-Québec, ça dérange Hydro-Québec. C'est ça le but d'être ici, c'est de filmer la rivière pour la montrer aux gens, montrer c'est quoi son écosystème pendant qu'il est encore vivant. Comment on voit le Québec dans 20 puis 30 ans? Est-ce qu'on voit le Québec plus d'arbres, plus de ressources, plus de rivières sauvages, plus de forêts primaires? Cette idée-là qu'on a, qu'on fait un barrage, on fait de l'argent, ça paye les soins de santé, ça paye l'éducation, ce n'est plus vrai. Lorsque Hydro-Québec fait une opération qui est non rentable, comme développer la Romaine à 10 cents de kilowattheure et vendre cette électricité-là aux Américains à 5 à 6 cents, il y a un manque à gagner. Bien, la seule alternative, Hydro, c'est de se tourner vers ses clients. Alors, on va payer à travers nos factures. On a trouvé le courant de la rivière, puis là, on a trouvé le courant éolien. La ressource éolienne québécoise est à peu près 100 fois la quantité hydraulique qu'on a déjà harnachée au Québec. On a effectivement un taux d'ensoleillement aussi important que Barcelone. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent des maisons qui ne sont pas efficaces. C'est une maison qui coûterait autour de 300 à 400 $ de chauffage par an. C'est les biogaz que je connaissais moins. C'est comment on fait de l'énergie avec des pattes de vache. Là? Bien, c'est littéralement ça qu'on fait. Là, je pense qu'il faut redéfinir ce que ça veut dire que d'être riche. You have anything to declare? Thank you, Romaine River. Ici, c'est une place pour un parc national. Pas une place pour un Christineau de béton. Quand on aura harnaché la dernière rivière, il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui?